police frappé, casé, brisé, la police s'est fin fait dans zone quoi des bouquets. Je dis à là, la police mettait pied la terre, yon arrivé frappé et puis mettait en bas code, yon nan chef gang Grand Ravigno, sortant dit à là, nèg qui te gen contrôle marché poisson bisotoan, nèg sa yo en bas code, pourquoi il est là, monsieur commencé by list nèg qui nan base là, et la police gen bagay nan mel de CPJ pour le frapper, bandit en bas code et LB a travail pour mettre bandit en bas code. Bonjour, bonsoir tout le monde, content ensemble avec nous présenter une dernière information ça une nouvelle là qui me dit ou sous Sofia TV 83 une autre fois encore réseau information mais toute nouvelle sous pays d'Haïti en détail. Population qui a vivent dans zone Delma 31, Delma 33, surtout monde 83, Jacquin, Publin, encore Fossé Premier, des gros problèmes. Yo équipe assassin assaillant décidé pour mettre pied à terre, sortant de là, yo pral frapper et moun dans zone ça pas ka marcher. Et trac absime tout partout, nèg yo pral simè la troublay. Veye en haut, veye en bas, pour nous barrer tout assassin, pour nous empêcher bandit prendre contrôle le territoire. Quand un activiste politique, Rosemont Jean, qui frappait, une autre fois encore Ariel Henry. Dans le déploiement contingent Kenya, après le fait dans le pays, a un pile moun levé voyou pour dire nous pral prendre un bira, pral gen problème, c'est maladie ou pral pote pour nous, et gen possibilité tout pour yon empêcher sa kafet la rivi. Est-ce que Haïti a quitté Kenya vini pendant cette temps force internationale là décide coûte que coûte faut Kenya débarquer problème yo en pile. Mesdames messieurs, pour un petit temps dans l'émission ça nous pour attendre et puis comprendre qui ça qui a passé dans pays ya. Ariel Van respire papa de Saline force internationale pour aller rentrer pendant bandi a frappé tout partout dans tout pays ya. Restez là pour déplacer en pile point dans développement journal là c'est pour Konya là chef qui a mené groupe sale de CPJ. Yo le monsieur Blanco. Monsieur te oblige à le tabli base li net nan Grand Ravine. Après gros déblosa qui te passé Marianian. Blanco ça monsieur pas jamais suspend fait la pluie le beau temps dans zone nan. Monsieur toujours sur TikTok à ka l'école. M'bral détente monsieur bientôt boy, elle doit courir facile. Ou kon nèg maro la gen checker monsieur moi avant l'effacer yo. Yo fait ça souvent. Nèg maro la gen ou atè non. Blanco, monsieur toujours à ka l'école sur TikTok. Monsieur gen li rele tête li crack Satan sur TikTok. Checkez monsieur TikTok Kounia. Blanco, monsieur rele tête li sur TikTok crack Satan. Checkez monsieur moi avant l'effacer. Checkez voyez pour moi. Travaille ça madan pile mais. Et vont démasquer nèg ça yo. Nèg yo regroupe tête yo. Nan yon corps c'est même nèg ça rele tête yo Tima Sansè. Yo vin lan, yo vin entrer dans Tima Sansè. Dans Grand Ravine. DCPJ prenez note. Ali Tibiti sa on arrêté là, le cabane en pile détail si n'kebe monsieur. Nan même base ça. Gen la dan Kili, c'est même nèg sa yo, Kili Michel. Nèg qui te coupé tête policier à parti avec lui. Gen Zopopé. Monsieur a blaité col sur TikTok là tout sinon tigresse. Checkez monsieur moi. Zopopé. Monsieur sur TikTok sous don tigresse. Gon l'autre yore le Jefferson ainsi connu. Gon l'autre yore le Boboule, ainsi connu. Gon to yore le Kerbi, ainsi connu. Ak yon to yore le Ti Davidson. Yo se deux frères. Kerbi ak Ti Davidson, deux frères. Bon, ou kon sak dole la? M'songe m'kon wè maman nèg sa yo kap van comprimé en bas la ville la. Se ekip monsieur sa yo ke m'te dénoncé déjà, ki te la cause gros de blosa a été pété nan Mariani. Et se yo! Qui te cause policier a perdu la ville dans condition triste ça. Toi le petit bébé a monsieur tellement puissant après de blosa Mariani nèg caravane yo ak population te parti derrière monsieur. Papa monsieur te obligé la gueule pied là dehors. M salio bon Dieu seul. Ah ben. Ou fait ti moun ou pas fait. M pa konn sou mauvais jeu mais ou fait ti moun ou pas fait sentiment bon Dieu seul. Ou comprend pas konnen non mais ti moun yo pas fin bon. Eh ben écoutez. Jusqu'à présent, place monsieur qu'on a vendu viande en bas, arrêtez vidéo, justement, on a parlé là. Et ça que doit là, nèg ça a tellement de pouvoir. Administration mairie a pas qu'à remplacer le nom. Tenez bien ça, m'dou là. Place que monsieur qu'on a vendu viande en bas, jusqu'à présent, arrêtez vide. Mairie a pas qu'à remplacer le, justement, on a parlé là. Ça veut dire que, DCPJ, partenaire, ça va être dans mon cœur, les Jean-Félin Auguste là. Si nous voulons jouer un petit bagay, il y a un pile cause, M. Kaede, nous connaissons sous Mariani. Sous Neg Sayo, comme sous cité là.
peut-être la police par contre qui est-ce qui n'emmène là même pas non ti los yes ou li pour si nous la gueule pour ne pas pour nous pas dit tété pas de en banon ti los yes allemande monsieur côté l'autre nèg qui était dans relation avec Lio Takouti bébé Kirby Jefferson ti Davidson ti Grace Blanco tout nèg sa yo mande monsieur côté yo et puis al garder sous page TikTok yo des bon enquêteur tout de CPJ et moi même nèg besoin. Et les réseaux sociaux là fait nous découvrir, oui. C'est ça que nous voulons dénoncer matin. Hein? Un, dénoncer les États-Unis qui parlent la Chine, la Russie, viennent mener une bataille géopolitique avec lui sous crise Haïti. Les prend ex-ambassadeurs, les voyaient au Kenya, elle fait pression sous le président kenyan pour le président kenyan dit que lui-même est prêt pour prendre telle force multinationale. Alors que Kenya a tellement de difficultés, Kenya, président Kenya, a plus de difficultés qu'un magistrat qui cite le soleil. Tellement de problèmes à gérer. Kenya a géré un problème de kidnapping. Et qui est-ce qui dénonçait les États-Unis, le Canada. Kenya a géré un problème, ça aurait été trafic d'organes. Kenya gère un problème qui est l'enlèvement, séquestration, qui dirige spécialement, qui moun ka fè yo? Soldats kenyens, parce que l'armée et le gouvernement kenyan n'ont pas en mesure pour payer soldats yo, et les soldats fait kidnapping pour vivre. Situation politique, turbulence, problème social au Kenya. Problème maladie transmissible. Le Kenya, c'est le sixième pays qui a plus de monde qui a VIH-Sida. En ce qui a trait à maladie Ebola, Kenya, c'est le deuxième pays qui a plus de monde qui est contaminé, qui porte maladie, ça qui est Ebola. Monsieur, dame, la presse parle, presse écrit qu'il a, pour ne pas dire nous ne connaissons pas. Si il y a 50 soldats kenyans qui rentrent avec Ebola, ils sont capables de faire un génocide plus de 500 000 morts. Les États-Unis ont utilisé tout moyen, toute stratégie pour assassiner nous. Parce qu'ils ont nous sida, sida pas tué nous. Ils ont nous choléra, choléra pas tué nous. Ils ont nous COVID-19, ils ont pas tué nous. Et bien, ils ont dit qu'ils ont testé Ebola sur nous. Et c'est pour ça, dans le premier temps, les États-Unis te disent la baille 100 000 dollars. 100 millions de dollars pour solde, pour tout cabinet. Pour y aller tellement content, la payer, la, lui-même la contribuer autour de 200 millions. Or, 200 millions, si on seulement injecté dans l'armée d'Haïti que nous avons là, 100 millions, nous baillons 3 à 6 mois, nous rétablir l'armée d'Haïti avec la police a rétabli la paix sur tout territoire. Sans occupation. Nous ne voulons pas occupation. Nous ne voulons pas force multinationale ça, qui c'est un gâteau empoisonné. C'est ça nous dit. Et nous maintenons et nous quittons la position nous pour nous dire pas normal. Pour aujourd'hui, pour chambre commerce, Haïti franco-haïtien, pour chambre commerce, franco-américain, pour chambre commerce, la République dominicaine, pour c'est Abinader. Qui pral gagner, qui pral signer pour nous. Accord pour venir mettre sécurité en Haïti. Fanta ouais son menti. D'ailleurs, crise nous, pays ça yo prenne comme ça nous relè opportunité pour ressortir sans yo. Ouais, si crise nous a résoudre dans 6 mois, li pral prend 5 à 15 ans. Vous comprenez ça? Autant yo pral créer une façon pour chaque un an de renouvellement. Chaque fois mandat pral fini et vous pral le taux de sécurité à monter. À monter. Ça c'est une. Deuxième situation que nous pral pour nous faire face. Nous pral pour nous faire face avec la police qui pral laguer toute responsabilité sous soldat kenyan qui a venu. Vous comprenez ça? Soldat kenyan a un bon salaire extra exorbitant. Côté y a tellement bien touché, il y a bien de 5 000 à combien de dollars américains pour toucher?
Est-ce que je dis la police là même qui a touché 1000 gouttes par jour, il prend d'accord pour leur travail, pour le groupe qui a touché un dollar, lui même a touché un goutte. Est-ce que nous mesurons les conséquences à quelqu'un, les tous policiers décident un bon matin, il y a la uniforme dans la base gagnée, il y a la botte, il y a la zamio, et c'est où qu'a touché, et bien sécurité pays à nous. Et puis, quand il y a Kenya lui-même qui joue notre libre, soldats sont venus jouer notre libre, ils ont tombé kidnappés, parce que nous pas de kidnappés professionnels, je veux dire, les Américains décident de des kidnappés professionnels pour venir renforcer ISO, pour venir renforcer Tirapli. Pour venir renforcer l'homme de Sanjou, pour venir renforcer la gang qui a kidnappé nous. Je vais finir pour nous dire un bagage. Puis nous avons en aucun cas, force multinationale, que l'ONU dit un, n'est pas responsable sur le territoire, parce que c'est une force hors de onisienne. Ça veut dire qui ça? Une force qui est hors de onisienne, quelqu'un soit barbarie, qu'elle fait sur le territoire là, ou pas de juridiction internationale qui a été plainte pour eux. L'ONU dit que ce n'est pas lui, mais c'est l'ONU qui fait proposition. C'est le Conseil de sécurité qui vote résolution. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui a cherché 200 à 400 millions de dollars pour eux. Pour financer encore, pour financer encore gang international qui a débarqué là. Malheureusement, tout secteur privé en Haïti, à partir de tout rapport sanction international, nous avons ces gangs seulement qui accompagnent. Et c'est ça qui fait, nous pas fait promotion pour l'armée d'Haïti avec la police et BESA pour rétablir la sécurité de l'ordre dans le pays. Nous croyons avec force multinationale là, puisque nous avons tous ces étrangers. Parce que pas de homme d'affaires. Non, ça nous est les Libanais qui ont business, qui sont Syriens, qui ont business, qui ont market, qui ont des beaux gaz, etc. en Haïti. Qui payent un concil honoré. Toutes ces sont des conciles honorés qui payent un qui lient à Haïti. Ça veut dire que vous va permettre de écrire une note sur le rapport politique pays. Voilà que c'est aujourd'hui qui écrit toute chambre commerce, homme d'affaires, si vous Libanais, si vous êtes, c'est eux-mêmes qui ont écrit une note par le secrétaire général, par ceci, pour vous dire que vous appuyez force multinationale cabinet. Force multinationale dans aucun pays par contre résultat. Yo dit aller au Rwanda, là ça c'était Canada qui a président, yo fait un génocide au Rwanda, près de 1 million à 500 000 moun assassiné au Rwanda avec couverture Nations Unies avec moun qui t'a pays qui t'a dirigé, c'est un général canadien qui mène le côté. Je dis a, yo décide de venir faire génocide en Haïti, pays a pas campé, la presse pas questionné qui jouait qui sont quatrième pouvoir, bon rôle important. Nous avons dit que c'est celle de manger. Monsieur, dame, ne reste pas les presse que là. Nous voulons que nous refusions la politique bœuf là. C'est notre politique bœuf là, presse à mener, qui fait payer à tomber côté là. Vous connaissez qui politique là? L'homme dit politique bœuf. N'importe si monde mène bœuf là, pas quoi. Et bien, si la presse est comme ça, symbolise, ça le vaut, ça l'utile pays, ça le café dans le pays, il y a des bagages qui ont empêché. Parce que il y a des bagages, si nous ne pouvons pas de micro, il y a des voyous. Il y a des gens qui vont pouvoir là. Si la presse pas de rôle prépondérant, je dis à la place. Je dis à le moment, temps venu pour que nous-mêmes nous prenions conscience. Pour nous dire, on nous exerce ça nous gagne comme moyen. Pour empêcher Ariel Henry mener le pays à l'aventure pour l'Ibralia. Nous-mêmes, nous engager dans la bataille. Nous voulons, je dis à nous déclarer publiquement. Nous prêts pour nous faire alliance à tout secteur qui visait. De force ou de gré pour Ariel Henry qui est pays. Et nous voulons que tout le monde t'a goûté, tout le monde qui voulait goûté. Dans le côté Ariel a mené nous, si ça examine pour mettre Ariel dehors, nous sommes obligés de chercher examen pour mettre Ariel dehors. Si Pacifique pas qu'à mettre Ariel Henry dehors à l'équipe, il faut que nous joignions l'autre alternative. Nous ne pouvons pas quitter Ariel Henry, mener pays dans un génocide qui pourrait avoir 200 à 300 000 morts. Moins de responsabilité, moins de pour ton plein. Vous comprenez ça, gouvernement Franz Zion fait? Il fait exprès. Je ne vais pas dire que c'est sort commissaire à sort. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que c'est imbécile, commissaire imbécile. Parce que pour moi, je pense qu'on est qui veut commissaire gouvernement, il est au minimum. Ça veut dire que c'est de façon voulue. Commissaire gouvernement fait ça, écrit ça, il y a un réquisitoire, il y a écrit la faute, il y a écrit avec erreur. Il voyait dans le cabinet d'instruction jusqu'à ce que le juge d'instruction pour un dossier à tourner dans le parquet.
Mais ça, ils sont entrés dans la manœuvre. Parce que, côté moi, mal derrière Ariel Henry, pour nous, je ne veux pas même complice des génocides qui ont fini. Je prends Ariel Henry dans sa relais, dans un plein cabinet d'instruction pour usurpation des titres. Ariel Henry n'a pas de qualité. Ariel Henry n'a pas de droit pour organiser le conseil des ministres. Ariel Henry n'est pas président. Constitution est claire. La loi est claire. Ariel Henry est capable de diriger un conseil gouvernement. Comme il est un gouvernement de facto. Pourquoi le président, pourquoi on a un ensemble de décisions qui prend pour retirer Ariel Henry, je dis à lui toujours, il fait partie dans la tête du gouvernement de facto, mais illégal, illégitime, sans qualité, sans scrupule, et encore plus, inculpé de l'assassinat du président de la République. Ariel Henry, c'est un inculpé. Ariel Henry sont criminels et tout le monde qui a chita avec Ariel Henry. Tout le monde qui a fait promotion, qui a supporté Ariel Henry Premier ministre, ou aussi en sacé au même titre avec elle. Parce que vos criminels, vos instances qu'il a pour ça. Le parquet, il a pour lui poursuivre, pour rechercher délits, crimes, contraventions. C'est le parquet de la République qui a attribué sur ça, c'est pas moi. C'est le parquet de la République d'Haïti qui dit M. Ariel Henry est un inculpé. Il dit pour qui c'est un inculpé? Nous inculpé pour un assassin, pour un crime qui fait, d'après enquête de CPJ, nous jouons M. impliqué dans le crime. Dans aucun pays sur la terre, sauf Haïti, où on joue la société civile, l'église, la presse, tout le monde sait, pas qu'on parle de ces hommes pour dire non, nous ne pouvons pas quitter un criminel. Déclaré, que la justice déclarée a dirigé nous. Ariel a fait conseil des ministres, l'a nommé ministre, l'a nommé juge dans la cour cassation, l'a nommé juge d'instruction, alors que il n'y a pas de mandat pour ça. Eh bien, il fait action en usurpation des titres pour que l'élevé dans le cabinet d'instruction avec Ariel Henry, pour juge la demander, pour nous pouvoir avocat demander, juge la pour demander, monsieur Ariel Henry, moniteur qui publié, qui te fait sortir de premier ministre à président. Bon moniteur, consensus, parti politique, t'es d'accord que M. Ariel Henry aujourd'hui est président de la République. Parce que son équipe est là pour guider les affaires courantes de l'État. Eh bien, fin de contrariété, de prolongation, il est là pour organiser, faire conseil et gouvernement, pour faire élection pour remettre pays en gouvernement légitimement élu. Maintenant, mais Ariel Henry prend dans le conseil des ministres, et puis les Nations Unies, et puis le département d'État, et puis c'est là pour demander de venir au pays souverain. Il n'y a pas de qualité. Ariel n'est pas élu, pas président, pas de légitimité. Ariel conteste, vomit. Ariel Henry, c'est un voyou. Ariel Henry, c'est un tyran. Ariel Henry, c'est un rejeté. Mais niveau société, situation politique, corruption société, il accepte Ariel Henry. Mais si n'accepte Ariel Henry, je vais finir là pour nous dire. Si n'accepte Ariel Henry, pourquoi ça n'a pas demandé arrêter Iso? Pourquoi ça n'a pas demandé arrêter Dilabli? Bon, si Ariel Henry, premier ministre, pourquoi ça nous demande pour arrêter Barbecue? Pour arrêter Dilabli? N'a pas demandé arrêter Tivitelon? Alors que n'importe qui nous va agiter devant Ariel Henry comme premier ministre. C'est bon scandale. Jusqu'à ce que Ariel Henry ait signé occupation pays. Américain pour payer maintenant. Américain payer 200 000 dollars américains. A payer 200 millions de dollars américains pour venir faire génocide sur les haïtiens. Peut-être que ça, parce que nous dérivons caler l'armée française, caler l'armée napoléonienne, parce que nous dérivons battre blanc qui te quoi, c'est le Dieu sur la terre et qui t'a fait noir, qui t'a transformé la société en esclave. Et bien je dis, c'est Ariel, ça c'est pour ça.